Bonjour Benjamin. Vraiment très haut, hein. Bonjour Pierre Cross. Nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est pas vrai? Quoi? Si, non. Bah, si, 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 si. C'est pas vrai? Si, par rapport aux caméras, ouais. Et tout. Ah, tant pour moi. On a souvent été inspiré par des jeux vidéo. Mario Party, Mario Kart, par des jeux de société. Street Fighter, quand j'ai envie de te taper là comme ça. Non, on l'a pas fait en vrai. Non, on l'a pas fait en vrai? Non. Ah d'accord, fantasme. Cette fois, c'est encore une autre inspiration. Là, on est dans un autre niveau. On est inspiré par des magazines télé. Tu sais, dans les magazines télé, il y a toujours un petit jeu des 7 différences à la fin. Oui. Eh bien, on va le faire en vrai. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Des accessoires qui se ressemblent, mais surtout des personnes qui se ressemblent. C'est pas vrai? Si. Oh là là. Si, en fait, c'est juste à gauche. C'est... Oh, mais là, je l'ai pas vu. Bonjour tout le monde. On va découvrir tout de suite nos invités. Ce sont des abonnés, mais ce sont surtout des frères jumeaux ou sœurs jumelles. On peut rappeler un petit peu le concept de la jumélité? Bah, c'est deux personnes qui, en général, sont nées presque le même jour et qui, en général, se ressemblent à peu près. Vas-y, on est avec toi. J'ai appris tous les prénoms par cœur avant la vidéo. Sarah et Fanny. Yes. Sarah. C'est moi. Ouais, et Fanny. C'est moi. Sarah, ouais. Fanny, je savais. On accueille ensuite, ils ont en plus mis un t-shirt très très similaire. Alors attends, Grégoire Adrien. C'est ouais. Ça. Yes. Ah, le moyen mnémotechnique. C'est le bracelet. C'est le bracelet. Ensuite, facile, Agathe et Clémence. Vous avez bien mis des couleurs différentes. C'est bon. Et là, c'est que les chaussures qui sont différentes. Le bout des chaussures. Le bout. Lucas Victor. Yes. Benjamin, on a donc 8 personnes qui sont là. Attention, séparation par équipe, maintenant. Non, Ben, t'es pas dans une équipe. Attends, excuse-moi. C'est bien fait, hein. Il va y avoir une équipe qui va jouer une scène. Par exemple, l'Avare, Harpagon. Non. Acte 3, scène 5. Non, un truc moins loin. Ma cassette. Une scène fixe. De l'autre côté, on aura exactement la même scène. Et on va devoir découvrir les 7 différences. Sachant que, bah nous, on connaît évidemment pas les différences. Elles peuvent être très subtiles, comme très évidentes. Je sais pas du tout. Donc, on va faire 3 parties. La première partie, c'est parti. C'est un jeu de mots. On vous laisse vous déguiser. On revient dès que vous êtes prêts. Première partie, on va découvrir la mise en scène. Oh, c'est beau. Oh. Oh, c'est beau ce qui se passe. Je vais jouer à ça toute ma vie. Vous avez du temps ou pas? Vous avez des crampes ou pas? Là, ouais. Les petites différences de position comptent pas. Pour l'instant, Benjamin, on va essayer de trouver les différences sans bouger. Ne prenez pas en compte tout ce qui est tatouage et bijoux. La pose des deux carapuces n'est pas exactement la même. On a des mains là et des mains là. Je suis pas sûr que ce soit volontaire. Je crois qu'elle craque physiquement, en fait. Je crois. Montre-moi ta Pokéball. Oh oui, il y a une différence de couleur sur la Pokéball. Les oreilles de Pikachu. Mon oreilles. Ouais. Pas oreilles. Est-ce que t'as les prénoms? Pikachu. Pikachu. Clémence. Et Agathe. Mais là maintenant voilà. Que t'as plus ton short orange, je sais ah plus ouais, qui là, est Agathe. Difficile. Le flic canadien là, ou le Indiana Jones, je sais pas qui c'est quoi. Est-ce qu'il y a des différences qu'on peut ne pas voir? Une culotte sale. Hein. Ok. On me dit qu'il y en a des culottes sales. Les cheveux de Carapuce sont ouverts du côté droit et là c'est du côté gauche. Donc on a combien? 2? 3? Les Sacha, ils ont. Non, coupe de cheveux, ça va. Moi c'est plutôt ce Marshall canadien là. Il y a forcément quelque chose sur lui. Moi j'ai envie d'aller plus près là. Tu veux qu'on se rapproche? C'est ce que je fais dans les magazines à la plage. Tu avances un petit peu comme ça. Donc là on zoome un peu sur le papier. Il a un gant vert ici. Est-ce que toi il a un gant vert là-bas? De l'autre côté, il a pas de gant. Allez, toi nous avoir nous. Il a rien de spé en fait. Bah il a un pantacourt quand même. Ouais, malheureusement l'autre en a aussi. Et ce qu'il a bien ses lacets, il a ses chaussures de boxeur. Ouais, il y a les lacets qui sont faits. C'est au niveau du Marshall. C'est lui le plus fort. Tu sais, il y a toujours un plus dur. Il y a un petit fil là qui dépasse. Je pense que c'est fait exprès. Il a pas la braguette ouverte? Attends, excuse-moi. Hein. Mais il a même pas de braguette. Hein. Ah ouais, et l'autre peut-être? Lui, on a déjà trouvé 2 différences. Donc à mon avis, ouais, il y en a plus sur lui. C'est bon. Hein. Ça va toi? Ça va. Ton frère a un petit bouton sur le front que t'as pas. Ça compte ou pas ça? Par contre, il est vraiment à 20 cm d'un Carapuce. Il veut pas l'attraper. Hein. Non. Ils se détendent le bras au même moment. Ils sont très forts. Hein. À patate, combien de temps on déclare forfait? Le jeu des 7 différences, c'est sur la plage. C'est 1h30 en général. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir encore des diffs sur les Sacha? Je crois pas. Sacha pas. Elle a rigolé. De l'autre côté, ça peut être une différence. Hein. Et moins la vanne de l'autre côté. C'est peut-être le jeu des 6 différences en fait. Hein. Tu crois? Tu sais, on a mal lu. Ou la prod s'est trompée? C'est le perso pour les adultes celui-là. Moi, je réussissais que les jeux pour les enfants. Carapuce aussi, il n'y a pas beaucoup de différence. Tu crois qu'il en a une autre? C'est vraiment des filles par contre. Hein. Pour moi, il n'a pas de sexe, Carapuce. Indiana Jones, là, il m'obsède. Ah ouais, tu trouves? Ouais. On est en train de se faire insulter par un Carapuce là. Ça va être un truc tout bête. Il aura un mollet rasé, pas l'autre. Il y a un truc sur le col? T'as un souci toi? La ceinture, attends. Mais là c'est bizarre parce que je suis vraiment... Alors, on va vraiment te déshabiller. Elle est comme ça, okay. Passer dedans et re-rentrer dedans. C'est le passant? C'était le passant qui était plus loin? C'est le passant qui était plus loin, ok. Et les lacets? Les lacets faits. Attends, est-ce qu'il a fait un double nœud? Il a pas le chapeau. Il a pas le chapeau? Il avait pas le chapeau depuis le début. C'est fou ça. Nickel. Bien joué. Ah! Regarde là, je l'ai là. Le lacet est pas passé ici là. Ok, d'accord. Gars, il sait pas... T'es un gamin en fait toi. T'es un gamin en fait. En fait, c'est pas faire tes lacets. Je vais tester un petit peu leur réflexe. Tu vois, ça bouge pas, hein. Y a aucun réflexe, hein.
elle est pas fermée au final. Oui. 7 différences. Allez, on est parti pour les 7. Vous êtes trop nul au jeu des 7 différences. On a mis combien? 30 secondes? Ouais. C'est quoi le chrono? Messieurs, dames, on va refaire une scène. Ça va être à peu près la même, ça va être une scène de muscu où vous allez tenir des poids comme ça. La petite différence, on va essayer. On va voir ce que ça donne parce que c'était déjà très dur. La petite différence? Il est fort quand même, il est fort. On va essayer de trouver les différences sans voir la scène de l'autre. Ah, on va devoir communiquer. Lui, il a des cheveux. Non, sur les différences, pas sur... D'accord. C'est bon, on peut... C'est bon. Oh. Oh, déjà, il y a un carton rouge. Ah ouais? Moi, j'ai un carton jaune. Première différence. Ben, je te dis un peu tout ce que j'ai. J'ai un arbitre à moustache. Tout à fait, un genre de Don Diego de la Vega, un petit peu. Ouais, qui va vers le haut. Non, elle va complètement droit sur les lèvres. Ah, on n'a pas la même moustache. Deuxième différence. Ok, on a un chignon, cheveux un peu gras. Non, c'est très soyeux. Elle a un pantalon noir. Elle a un pantalon noir, basket noir. On a fait le tour de l'arbitre. On passe au joueur. On passe au joueur, qui apparemment râle. Ben, n'a pas fait faute, hein. Il remet en cause, en tout cas, la décision de l'arbitre. Quand il met en cause la décision, il a les deux bras qui tendent vers le bas. Ouais, il essaye d'attraper un bébé qui va bientôt sauter du troisième étage à peu près. J'aurais dit deuxième, mais on part du principe que c'est bon. S'il y a une différence d'étage, ça compte ou pas? Alors normalement, il joue pas le match, il a pas de protège tibia. Short blanc? Short blanc, chaussettes bleues, pas de sponsor, pas les moyens. Donc on est vraiment en troisième division. Ouais, pas un grand club. Est-ce que les chaussettes sont bien relevées? Les deux chaussettes sont bien relevées. Le col est rond avec un liseré blanc que sur la nuque. Donc derrière? La nuque, hein. À moins qu'il y ait une pomme d'Adam dessus, mais... Il a l'air méchant? Non, plutôt sympa, hein. J'ai même l'impression qu'il a pas fait faute, hein. Les chaussettes sont bien jusqu'au genou? Non, elles sont jusqu'au tibia. On a une diff. Yes. On passe à la fan. Alors moi, il y a marqué allez l'Allemagne. Ah bah, il y a une grosse diff. Non, il y a marqué allez les bleus. Les filles? Moi, c'est les mecs, clairement. Elle a un drapeau qui correspond pas du tout à la France sur sa joue. Alors moi, ça correspond à la France, on est sur du bleu, blanc, rouge. Ouais, moi aussi, mais pas dans le bon ordre. C'est vraiment la Russie de son côté. Elle a un doigt... J'ai pas fini la phrase, Ben. Ouais. Tendu, rouge. Oh, un autre joueur. Bah celui qui va tirer le coup franc. Alors moi, il essaie vraiment de crever le ballon avec ses crampons. C'est ça, pied posé sur le ballon, main sur la cuisse. Chaussures noires, short noir. Regard un petit peu triste, il vient de se prendre un but. Il vient de marquer contre son camp. Pareil. Les chaussures sont noires avec un peu de rayures blanches. Bah il en manque deux, à mon avis c'est deux sur ce mec là. Hein. Et c'est le même qui jouait le dresseur de Pokémon qu'on n'a pas trouvé. Hein. Est-ce qu'il a quelque chose au bras? Des poils. Je vérifie, combien? Waouh, ça va être long. Il a le t-shirt rentré ou pas? Il a le t-shirt rentré. Ah bah pas moi. Bien joué, Pierre. Il en manque une? Attends, l'arbitre, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est elle a un sifflet dans la bouche, moi. Alors moi, déjà, elle a perdu ses moustaches. Ah ouais. Sans le savoir, vous avez enlevé les moustaches toutes les deux. Vous êtes vraiment connectés. Ouais. Franchement, les deux, ils ont pas l'air très contents de leur match. Hein. Quel pied il a sur le ballon? Il a son pied droit sur le ballon. Ah oui! Eh, on est fort quand même à ce jeu, hein. Bravo. En fait, ils ont pas fait... Ils ont pas joué. Grand chose, hein. Ils ont pas joué le match. C'est quoi le thème de la dernière? Les mousquetaires. Oh là là, j'adore. Alexandre Dumas. On peut enlever les mains? Oh là là. Oh, le Marquis de Sade. Est-ce que toi aussi, t'as un pervers qui fait l'amour dans des buissons? Moi, j'ai des chaussures très très cirées. J'ai l'impression qu'il y a une demande en mariage. Rose dans la bouche? Ouais. J'attends la réponse, moi. Canne du monsieur? Canne de magicien. Il a sa jambe gauche à genoux. Alors moi, il a la jambe droite par terre. Première différence. Ta rose, elle est de quelle couleur? Elle est bas rouge. Ses dents, elles sont de quelle couleur? Bas rouge, hein. Elle a des Stan Smith, la marquise? Ouais, c'est bon. Ok. Par contre, il y a un anachronisme sur les autres chaussures. Est-ce qu'elles sont cirées? Ah bah moi, elles sont en plastique, hein, donc c'est même pas ciré, hein. Ouais. Ça fait quel bruit quand tu tapes dessus? Il y a une boucle dorée? Ouais. Elle a la main gauche posée comme ça sur la hanche. Un peu Beyoncé comme ça? Exactement, marquise de Beyoncé. Il a une sorte de bavoir en deux étages. Oui, effectivement, on a le double bavoir. Son éventail, il est tout noir avec un peu de dentelle. Il est tout vert. Non, il est noir, hein, vraiment. Elle a une ceinture? Elle a pas de ceinture, la marquise. Moi non plus, t'inquiète. Elle est rousse avec un collier en forme d'hippocampe? Non. Ah, pareil, ouais. Il a mal au genou, ton marquis? T'as mal au genou? Non. Ah non, le mien n'a pas mal au genou. Alors moi, il souffre. Donc un petit chignon. Ouais, petit catogan quoi. Quelque chose de la Francis Lalanne. On n'a pas une seule différence sur la marquise. Hein. Ça c'est embêtant parce qu'en fait d'expérience, hein, normalement elle doit avoir une différence avec l'autre. Elle a les manches relevées ou pas? Elle a les manches non. Elle a non les jambes bah les jambes posées sur le sol. Ouais c'est ça. Tu vas parler? Oh putain! Je suis en train de menacer la marquise là. Est-ce qu'elle a un mauvais maquillage blanc sur le visage? Effectivement, on est sur une tarte à la crème. Ouais. Ça se trouve c'est un piège hein, de leur part. Tu crois? Non. On passe à un autre ouais, personnage. Parce que là il y en a un petit peu marre qui.
quoi? On passe à D'Artagnan là. D'Artagnan, il a une épée sur la glotte. Par contre, il se bat vraiment à armes pas égales du tout. Oui, oui, il a un cure-dent là, le D'Artagnan là. Il a des espèces de bottes de SM en fait. Hein. Ouais, il a des bottes avec ses chaussures de foot qu'il a pas enlevées en dessous. Hein. c'est exactement ça. Il a foot après D'Artagnan. Sur son chapeau, il a une boucle dorée ouais. dans son dos. Ah bah alors moi, c'est l'inverse. Et la plume est vers le mur du jardin. Non, la plume est vers la caméra. Ah, donc si je fais ça, ils ont le même chapeau. Voilà. C'est tout, hein, que deux. Ah, c'est dur, là. Bah, c'est le plus dur, c'est la dernière partie. C'est celle où les gens, ils commencent à rentrer de la plage, là. Sa petite épée est pointée vers le bas. C'est pas une métaphore. Hein. Toi, t'es un soldat du cardinal. C'est Richelieu. Richelieu, elle a les cheveux lâchés. Ouais. Elle tient son épée avec d'abord la main gauche en bas de l'épée et la main droite dessus. Ah, je crois que c'est l'inverse. Et Benjamin, tu fais mouche que terre. Pousse un peu plus, parce que si vraiment tu veux l'attraper à la glotte, il faut vraiment que t'appuies. Exactement. Et là... Et là, tu cutes la jugulaire. Excuse-moi, j'étais en petit tuto. Bon, moi, elle le fait très bien, Justin. Les chaussures, elles sont trop moches pour qu'il n'y ait pas de différence. Sur les deux chaussures, il a les boucles dorées. Et quand tu t'approches, il y a une mauvaise odeur de cuir. Quand je m'approche, mais pas de la chaussure, il y a une mauvaise odeur, ouais. C'est le siècle qui veut ça, hein. On n'est pas très bain-bain, très doudouche, hein. Ah, 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 ah. Ah, ah. Tous les boutons des bottes sont à l'extérieur, sauf le mousquetaire bleu, il y en a à l'intérieur. Moi, il me menace directement en fait avec son arme là. Décris-moi les tiennes s'il te plaît. On est sur des New Balance un peu noirs. Non, 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 pas les tiennes, j'en fous. Alors, t'imagines que j'enfile. Non, 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 je veux pas imaginer. Mes chaussures, un peu faux cuir. Il y a une boucle au pied, tu sais, les boutons, des boutons d'or. T'en as combien? En tout, 3. Ah, bah voilà. Il lui manque un bouton? Oui. Toi, t'as bien une sorte de perruque un peu à la Voltaire là. Ça descend les deux sur la poitrine. Ah! C'est la position des cheveux. Il affirme comment sa chemise, le marquis de Sade? Il a un bouton doré au niveau du torse et un au niveau du sexe, mais j'irai pas vérifier plus que ça. Ah, il y a un sexe? Non, ah oui, non, il y en a trois, pardon. Sa canne, elle est bien toute droite, toute noire. Il y a un bout blanc de chaque côté, hein. Il est comment son bout? Il a un bout plutôt arrondi, un peu plus gros que la canne. Tu regardes bien que la canne, hein? Oui, le grand truc long avec le bout blanc, là. Et son bout au sol, ça ressemble à comme un petit. Ah, ça fait quoi de couette quand tu le pousses? Essaye, toi. Ah non, moi, c'est peut-être inversé. Ah, c'est quand t'appuies sur la main, moi. Ah, c'est inverso. Il nous manque D'Artagnan. On n'est pas allé très loin dans le détail de son épée. Alors, bout doré. Alors, c'est le manche qui est doré. Hein. Le forgeron qui l'a fait a mis une inscription. Moi, j'ai Made in China. Ah, je l'ai. Est-ce que lui, il a un rond de protection? Tu sais, des fois, les mousquetaires, ils ont un rond de protection. Oui, une espèce de socle doré pour protéger la main. Il l'a? Il l'a. Ah, moi, je l'ai pas. Il est fort. Yes. On est bon à ce jeu, on est bon. Fin de vidéo, Benjamin. Merci à tous. Merci d'avoir joué le jeu. Ça vous a plu? Ouais. C'est hallucinant, même quand on regarde comme ça, c'est... Bah là, j'ai encore envie de jouer. Hein. Je vois que le chapeau juste en différence, c'est tout. Merci d'être venu. Il y en a qui ont fait du chemin en plus pour cette vidéo. Puis à cheval en plus, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'on fera une autre partie un jour? Avec plaisir. Mais avec plus encore de personnes. Bah de toute façon, il faut forcément un volume 2, là. Rapport aux jumeaux, faut imaginer le jumeau de ce volume-là. On va faire une bise à tous les jumeaux de France. Tous les frères jumeaux et toutes les sœurs jumelles qui regardent cette vidéo, on vous embrasse fort. Même les triplés. Non, pas les triplés. Ce sera une autre vidéo. Un morpion géant et des triplés. Allez voir mon Insta, il y aura une photo prise avec chacune de ces personnes et vous pouvez faire un petit jeu des 7 différences sur le feed. Oui. Tu sais, quand tu slides sur le côté là. Quand t'as les double photos voilà, là. On fait très ça bien. Vous pouvez garder tous, sauf ça, j'aimerais bien récupérer une paire au moins. Vous êtes très beau. Fin de vidéo, terminé.